Dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021, un incendie a éclaté au niveau du marché de Tawa. Beaucoup ignorent les causes de cet incendie, selon les témoins oculaires trouvés à lieu et place. To ni dai wallahi wannan wuta ban da masaniya ba sakanta. Ina gyaran nama kawo wuta baiwar Allah ta huce busan moto. Sai ta dawo da gudu da ita da wani take cewa da Allah a taimaka a taimaka wuta. A taimaka a taimaka wuta. To lokacin da na tashi na ruga da gudu na bar masana'anta ta na ruga da gudu ko da na je wannan lokaci wuta ta ci karehin wuri. Ban san yanda ne za a yi a kashe ta. Ni dai jin zahi na gudana wuta gar ta kama ga shago guda wurin mai salulin ne. Mun biyo bisa moto maka ga wuta maka tsaya. Mun zabura yi maka wuta ta kama shago bi maka jawo baya. To mu jin zahin mu ba na bana ba da yake ko bayan gari kake in aka yi ma gobara cikin garin Tawa da izinin Allah safar famfe an shekar kiran su ba su ma dauka dauka ma ba su dauka tunda mun kira su ya hai so 60 ba su dauka ba sai da an ka taida moto an ka gaya musu. Présent à cette douloureuse circonstance, le secrétaire général de la ville de Tawa a rappelé les priorités par rapport à cette situation. Et les opérateurs économiques aujourd'hui qui sont mal à l'aise compte tenu de cet incendie. Parce que leurs marchandises est partie en fumée et que ce n'est pas du tout bon. Et nous sommes là vraiment pour intervenir et arrêter ce feu avec l'aide du bon Dieu. Les sapeurs sont là au secours pour qu'on arrive à maîtriser ce feu. Donc nous travaillons avec les moyens de bord qui sont là. La mairie a un camion citerne et qu'au niveau des sapeurs-pompiers, il y a aussi un autre. Et nous travaillons avec les moyens de bord qui sont là pour l'instant. Mais certes, nous reconnaissons qu'il y a une insuffisance. On a besoin d'autres encore pour qu'on arrive à couvrir la ville au cas de besoin. Les sapeurs-pompiers sont là. Pour nous, ce qui est important pour l'instant, c'est de maîtriser ce feu, ensuite faire le bilan de ce qui est parti en feu. Il n'est un secret pour personne que cet incendie multiple et multiforme ne cesse de faire des dégâts à travers le pays. À cet effet, il incombe à la communauté d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix règne au Niger.